Au niveau de la formation, on trouve ça super important que les gens ont un choix au niveau de plusieurs canaux, parce qu'il y en a qui préfèrent d'apprendre quand ils sont chez eux à la maison et donc ils font par e-learning. Il y a aussi des formations qu'on vous donne le plus vite possible pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour votre métier qui sont en classe. Ce qui est très important aussi, c'est vraiment la formation on the job, hein, où on vous donne vraiment du mentoring d'un parrain ou une marraine qui vous aide à développer, mais vraiment dans vos tâches journalières. Et le quatrième canal important, surtout si vous voulez vous développer d'une manière beaucoup plus large et aussi explorer d'autres métiers dans la banque, c'est de vous-même de vous, je dirais, concocter un plan de formation que vous discutez avec votre manager qui va vous amener aussi à une compréhension beaucoup plus large au niveau des métiers de la banque.